Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que Dieu t'a montré. Si Dieu t'a montré qu'il ne doit pas devenir grand, ce que Dieu t'a montré, c'est vrai, c'est réel. Il n'y a que toi qui peux t'empêcher d'y arriver. Mais l'ennemi ne peut pas. Il peut tout essayer. Mais il ne peut pas. Parce que je connais vraiment un homme qu'on appelle, son nom est Joseph. L'ennemi a tout essayé pour la faire oublier. Mais il était un homme fidèle, il a gardé la foi. Nous pouvons, alléluia, nous avons vraiment un modèle. Nous pouvons dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur nous dit encore une fois, alléluia. Je vais, peut-être qu'il y a des douleurs. On va chercher. Genèse chapitre 42. On va finir ce moment, on va passer loin. On va passer loin. Verset. Seulement le verset 6, verset 7. Sinon, si on peut dire seulement le verset, ça c'est bien. Joseph se souvient des songes qu'il avait eu à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venu. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois, Père. Ton grand amour, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça, Papa, que nous venons de ressentir, Seigneur. Alléluia, que cette main puissance agit en nous, Seigneur, de nous permettre de nous ouvrir ta parole aujourd'hui. Père, alléluia, nous voulons te laisser, Papa, faire dans notre vie, Seigneur. Papa, dirige, papa, dirige, papa, gloire au regard vers toi. Enlève nos yeux, papa, sur les choses éphémères, papa, qui peut nous déranger de ta présence, de ce que tu as pour nous, Père. Aide-nous, papa, à fixer nos yeux sur toi seul, papa. Et cela, papa, va nous aider à garder la foi, à comprendre, Seigneur, les choses. Ou même si nous ne comprenons rien, il permet que ta parole, Seigneur, trouve une place dans nos cœurs aujourd'hui, Père. J'aime, papa, parce que nous sommes des hommes naturels, Seigneur. Toi, Seigneur, content de cette parole, Seigneur, il n'y a pas de sentiment, mais que, papa, tu t'es laissé encore. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive, papa, nous voulons tout simplement que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Où elle gère, papa, qu'elle produit les fruits, papa, que ce fruit nous conduise jusqu'à la vie éternelle. L'action des grâces dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Maintenant, des fois, tu demandes tout simplement, est-ce que ce que Dieu m'a montré, c'est réel? Ou est-ce que je veux réussir par tout ce que je passe? Je me rappelle bien l'histoire de Néhémie. Il était quelqu'un de prière. Il prie tout simplement. Mais à un moment donné, lorsqu'il s'est levé d'abord pour rebâtir le miracle de Jérusalem, mais il y avait aussi des énergies. Et c'était. Il y a ce malin est obligé. Je ne sais pas si tu trouves vraiment, il y a toute une forte ou puissante. Par exemple, si on peut dire 11 contre 1. En d'autres termes, tu te sens seul. Comme Joseph. C'était 11, non? C'est 12. Alors, 12, c'est 11 contre 1. Ça veut dire que 11 s'est levé contre Joseph. Là, c'est comme s'il n'a pas de puissance, il n'a pas de force. Mais je vais vous dire une chose. Même si tout se lève contre vous, il y a un verset biblique qui dit si Dieu est pour vous. D'abord, la Bible dit, nous avons même plus que ceux qui pensent qu'ils ont plus. Alléluia. Et Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Peut-être, et je vais vous te dire ceci, c'est parce que tous ces problèmes maintenant, juste viennent contre vous, ou toi seul. Là, tu dis, mais
Est-ce que je vais sortir? Parce que tout même, il n'y a pas de porte. Je commence à voir un peu trouble. Je ne vois même pas trop clair. C'est pas grave. Alléluia. Mais si tu peux avoir juste un peu de confiance, aller au-dessus de la foi. Un peu de confiance. Dis ce que Job a dit lui-même. Ah, même s'il me tue, mais je lui ferai quand même confiance. Ou, en d'autres termes, je vais te dire, même si je ne vois rien, mais je lui ferai quand même confiance. Alléluia. Et là, savez-vous, tout ce qui, des fois, qui peut nous empêcher d'y arriver, c'est de ce que l'ennemi va ramener vers nous, c'est du passé. Il s'appelle longtemps. Mais il ramène toujours ces choses. Et quand il ramène ces choses, et nous n'arrêtons pas de regarder ce que l'ennemi a pour. Il y a des temps, savez-vous quoi? Il y a des mamans qui sont comme ça. Et l'ennemi fait des fois comme des petits bébés. Il y a des bébés qui commencent à pleurer pour rien. Et c'est ce que l'ennemi. Alors, il veut attirer ton attention. Quand il commence à pleurer, il n'a rien. Il y a des mamans qui savent tellement bien qu'il va rester. Après, il va rester. Mais c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Il y a des moments où tu lui dis, laisse faire. Quand il va faire tout ce qu'il peut, il va arrêter seul. Laisse faire. Alléluia. Et c'est ça que. Parce que tout le temps, on regarde. Parce que des fois, nous sommes sur le chemin, nous sommes pour aller vers ce que tu, les choses que Dieu a préparées pour nous. Mais juste en entendant quelque chose, ou en tournant nos yeux, là, nous sommes ralentis, sur le train de ralentir. Et à chaque fois que l'ennemi avait quelque chose, il va nous faire ralentir. Savez-vous quoi? Ce que Dieu a préparé pour nous va retarder. Cela va retarder. À chaque fois, nous enlevons nos yeux pour regarder ailleurs. Nous sommes en train de rétablir ce que Dieu a préparé. Ouh, alléluia. Nous devons juste garder nos yeux fixés sur Jésus. Maintenant, Joseph arrivait à plus. Oh. Premièrement, il était passé proche de la mort. On l'a jeté dans un puits, mais heureusement, il n'y avait pas de mort. Amen. Et ce que l'ennemi veut faire, il va nous jeter quelque part où nous allons fini, noyé ou fini, c'est ça qu'elle nous fait des fois. Mais Dieu est là. Et c'est pourquoi il y a un verset qui dit dans la Bible, crochez ce verset. Peut-être qu'il y en a qui pensent que l'eau c'est trop. Ésaïe 42 ou quelque chose, verset 1, 2, 3, ou Ésaïe 43, je ne me rappelle pas trop. Regardez un peu, ce n'est pas le bénin, c'est juste que je vais regarder ce verset, je dis peut-être qu'il se passe. Qu'est-ce que tu passes à travers? 43 plutôt. Oh, alléluia. Maintenant, il est à 43. Si tu traverses les eaux, est-ce qu'il y a des gens qui passent pour moi, qui se sentent vraiment plongés dans l'eau? Si tu traverses les eaux, je serai avec. Et cet homme qui a parlé, c'est Dieu. Ce n'est pas fermé. Peut-être je peux rentrer avec toi dans l'eau. Et quand il dit, ah, c'est grave, il est pourri. Mais pas Dieu lui-même. Il ne va pas te laisser là. Amen. En tout cas, il a dit, alléluia. Et les fleurs, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, là c'est encore plus grave. Je me souviens déjà, il y avait trois jeunes hébreux qui étaient dans le feu. C'est Dieu. Il a fait preuve, c'est Dieu qui l'a dit. Il était là avec eux dans le feu. Alors je me suis dit, tu traverses ou si tu marches dans le feu. Et c'est grave, marcher dans le feu. Là vraiment, c'est dur. Tu sens vraiment, tu as du mal pour marcher dans le feu. Et la Bible dit, regarde, tu ne brûleras même pas et la flamme ne s'embrasse même pas. C'est-à-dire l'odeur. Tu ne vas même, on ne va pas même prendre l'odeur de la flamme de feu sur toi. Parce que ton Dieu, il va être là avec toi.
Et regarde, car je suis l'Éternel ton Dieu. C'est tout. Si tu as l'Éternel ton Dieu avec toi, même si tout le monde se lève contre toi, à un moment donné, ils vont faire seulement des bruits, mais ils ne peuvent rien faire contre toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, tu peux persévérer quand même dans tes rêves. Elle ne regarde pas ce feu que tu mâches dedans. Ne regarde pas de l'eau où tu te sens plongé. Mais regarde plutôt vers ton Dieu qui t'a dit ce que tu vas devenir et c'est prêt pour toi. Alléluia. Élève ta tête. Alléluia. Arrange tes épaules. Marche comme le vrai soldat. Avec des épaules carrées. Avez-vous déjà? Pas la tête baissée. Parce que nous avons toujours tendance de marcher la tête basse. Ça, c'est ce que l'ennemi veut de nous. Mais nous oublions réellement où nous devons placer notre tête. Ce n'est pas en bas. Où se trouve notre destination? En dessous ou en haut? Mais même nos têtes. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, la vision ou le songe de Joseph. Deuxièmement, premièrement, c'était de la pluie. C'est dans le livre. Et deuxièmement, esclave. Mais là, Dieu a élevé Joseph là. Il veut te dire une chose. C'est pourquoi, des fois, lui, il essaie de tout faire. Mais à chaque moment qu'il a fait quelque chose, il te voit vraiment ton visage est devenu plus frais. Tu ne t'inquiètes pas tout simplement à ce que l'ennemi fait. Savez-vous, il veut maintenant te déranger encore plus, il veut encore envoyer plus de problèmes dans ta vie. Mais je viens encore pour te dire, alléluia, un peu de confiance seulement. Dieu, il est prêt, il est sur le point même de venir t'élever. Et Dieu va t'élever. Si c'est Dieu qui dit, il va le faire. Amen. Il va le faire. Alléluia, comme je vous dis, et tout ce que je vois, ce sont des hommes ou des femmes ou des gagnants d'âme. Je ne vois pas, alléluia, aucun de fait devant moi. Je ne sais pas pourquoi vous regardez vous-même pour ce que l'ennemi dit. Savez-vous, encore je vais. Mais je vais lire le psaume où David il a écrit ce psaume parce que son fils est le même contre lui. Savez-vous quoi? Nous savons, ils peuvent dire des, d'ailleurs à nos sujets. Donne-moi le son, toi. Regardez. Combien ils disent à mon sujet? Je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il dit? Ça m'est égal. Regarde. Il a dit combien ils disent à mon sujet? Plus de salut pour lui ou pour moi auprès de mon Dieu. Non, ça c'est ce qu'ils disent à mon sujet. C'est ce qu'ils disent à mon sujet. Moi je m'en fiche de ce qu'ils disent à mon sujet. Je vais juste m'occuper de ce que Dieu dit à mon sujet. Pas ce qu'ils disent à mon sujet. Il peut dire n'importe quoi à mon sujet, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Alléluia. David dit combien qu'ils disent à mon sujet. Je ne sais pas combien. Et il peut encore augmenter pour combien il dit. Ça, c'était son fils. C'est l'air contre lui. Mais il a dit au verset plus bas, une chose je sais, Dieu peut casser les dents des méchants. Je dis, aujourd'hui, comment ça devenir Dieu? Je vais essayer de copier un peu parce que c'est lui. Dieu peut casser les dents des méchants. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est David. Vous voulez voir, on donne le verset. Où il a dit. Quoi? Pourquoi vous pensez c'est moi qui l'ai dit là? Oh, lui, il commence à exagérer. Regarde. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes. Où est-ce que tu frappes? Il frappe Dieu. Moi j'écoutais, je n'ai pas la force pour frapper, mais Dieu sait comment frapper. Amen. Il sait où frapper. Mais c'est pas ce que nous voulons pour
le méchant, parce qu'en même temps, il veut que le méchant. C'est vrai. Ne voulons pas ça. Mais c'est juste pour te dire. Tu n'essaies pas de préoccuper ce qu'ils disent à ton sujet. Parce que tu vas finir. Elle dit, tu brises les dents des méchants. Ce n'est pas moi. La Bible dit, Dieu peut briser les dents des méchants. Alléluia. Au point, si Dieu brise les dents, là, ils ne vont pas avoir les dents de foi. Ils ne restent pas, ils ne lassent pas de rire de vous. Mais quand il n'a pas assez de dents, il va pas. Aïe, aïe, aïe. Mais s'il n'a pas assez de dents, alors il dit, mais s'il rit, les gens vont rire de lui. Il va arrêter de rire. Amen. Alléluia. Gloire pour nous, pas de l'homme pour notre Seigneur. Emporté de ce qu'on dit, on t'a dit à ton sujet. Mais écoute, regarde plutôt ce que Dieu a préparé devant toi, ce que Dieu a en réserve pour toi, et fixe tes yeux dessus. Fixe tes yeux dessus. C'est le temps de t'en souvenir, le temps de t'en souvenir, alléluia, de ce que Dieu a préparé pour toi. Comme quand le méchant ou quand le frère de Joseph était là, il s'en souvient le rêve que Dieu lui a donné à leur sujet. C'est là le moment. Écoutez, je vous dis encore, je vois des grands, alléluia, des grands prédicateurs et des grandes femmes des Seigneurs qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, c'est ce que je. C'est ça ma vision ou le rêve de. Mais pourquoi tu. Tu as ces rêves? Parce que c'est ce que Dieu m'a dit et c'est ce que vous allez devenir. À moins que vous-même vous laissez emporter par le vent de l'ennemi, mais souffrez de ton côté. Savez-vous quoi? Quand l'ennemi essaie de amener des vents ou le vague de la vie, ou, alléluia, une chose, Dieu, il est toujours là pour nous supporter. Il est là, donc c'est notre protection. Quand David a dit, même ce soir, il a dit, bon, tout simplement, quand Dieu finit de casser les dents des méchants, je vais dormir à quel posé maintenant. Non, l'autre. La nuit, je me couche, je me dors en paix. Je me couche, je me dors en paix. Voilà. Voilà. Alors, si Dieu peut casser les dents des méchants, il y a une chose. Là, je vais avoir la paix. Elle dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien. Là, je veux regarder vers l'avant. Je veux continuer. Écoute, alléluia. Il y en a qui disent, wow, wow, qu'est-ce que cela peut devenir? C'est un. Vous ne faites que venir ici. Et bon, alléluia. Regarde le frère Yvan. Lui, vous voulez décourager. Couper le frère Yvan. Lui, il doit décourager. Parce que des fois, il a des difficultés passer par pour venir. Parce qu'on a dit qu'il doit étudier. Bon, il ne va pas passer tout ça. Mais maintenant, il vient continuellement. Et même la neige, je vous dis une chose. On peut dire ici à Montréal, non, il n'y a rien. Je vais vous faire croire. Tu m'as fait des grandes choses ici. Moi, je le crois. Amen. Moi, je le crois. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis, je vois tout simplement dans une autre dimension. J'enlève les yeux de la chair. Je commence à regarder avec les yeux de Dieu. Et de voir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de ce qu'ils disent à mon sujet. Écoutez. Nous pouvons juste regarder vers Dieu. Oublie ce qu'il dit. Oublie ce qu'il pense. Oublie.
C'est Dieu qui dit, il va le faire. C'est Dieu qui parle. Et la Bible dit, lorsque Dieu parle, toute l'éternité. Alléluia. Je veux que Dieu parle. Savez-vous, lorsque Jésus-Christ était là, dans la tempête, les disciples ou ses disciples, le frère Dignes, il a fait ce travail extraordinaire. Savez-vous, ces disciples étaient là, et dans le stupeur, ou comment on peut dire, ils étaient tous à craindre, ou ils se sont bouleversés. Jésus-Christ seulement parlait à le vent ou la tempête, silence. J'aime ça. Il a dit seulement silence. Et non seulement il a dit silence, après il a dit, quand je dis silence, tais-toi. Et tous étaient calmes. Écoute, tu dois avoir confiance. Tu es sur le point de dire silence à l'ennemi. Quand la Bible dit, David dit, la bouche de menteur sera fermée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. Et c'est pourquoi Joseph, il a passé par travers toutes ces choses. Alléluia. Mais il a gardé. Joseph est élevé quand même. Même si l'ennemi dit non, tu vas quand même être élevé. Son Dieu va t'élever. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Et même si on n'entend pas la voix de Dieu, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alléluia, je n'entends plus parler de Dieu. Écoute, Dieu va le faire. Alléluia, et de nos mains, Dieu va le faire. À notre Dieu, qui a tellement influencé la vie de Joseph, par rien. La première chose que tu dois faire, je vais vous donner ça. Vous devez croire premièrement aux rêves des autres. Ne regardez pas parce que Dieu vous a donné un rêve ou Dieu a dit quelque chose pour toi. Maintenant, tu regardes ce que l'autre, tu commences à maîtriser celle des autres. Des fois, Dieu peut dire une chose pour toi et Dieu sait où il va te lever. Mais il y a une chose, tu dois commencer à aider les autres à réaliser des choses. Ah, ça devient difficile. Au sang jalousie. Parce que les deux autres, il y a eu le rêve ou le songe, Joseph, il a parlé, il a expliqué le rêve de ses autres. Mais ils ont tous retrouvé vraiment. L'autre était mort. Il a trouvé peut-être que c'était un danger, c'était un problème. Mais je vous dis, Dieu va te lever si tu vois. Fais ce que tu as fait pour les autres. Ne regarde pas. Considérez un frère comme un frère. Une soeur, c'est comme un frère. Une soeur. Ne le regarde pas avec les yeux et n'essaye pas de rabaisser personne. N'essaye pas de regarder tout le monde de la même façon. Comme tu le vois. Joseph dit à ses frères, avance et vois. Moi, je vais te dire, je suis Joseph. Il y a un moment où tu vas dire à l'ennemi, je suis. Alléluia. Malgré que tu as essayé de précipiter les plus. Maintenant, regarde ce que tu as trouvé. J'y suis. Écoutez, en tout cas, tu dis seulement, je suis là pour toi. Tu es en train de me persécuter. Mais je suis là pour toi, pour t'aider. Dieu m'a fait cela juste pour ton bien. Alors, toi-même, tu as pensé à faire mal. Mais Dieu, il a fait cela pour ton bien. Amen. Allez, juste pour ton bien. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, je laisse quand 44 maintenant. Je vais dire 45. Je laisse 45. On va commencer à partir du verset 4. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'enverrai les montées. Et Joseph te fermera la
Jésus. Jacob quitta Beersheba. On va repartir d'abord là où je vais. Verset 2. Tu es parlé à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit à Jacob. Jacob, Israël répondit, mais voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Genèse 46. Où est-ce qu'il est? Sur le 46. Pas le 45, c'est pourquoi il est. Non, 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 là, c'est ça. Je suis passé. Moi qui. Ça, c'est là Joseph. Parle de Joseph. On va commencer à partir du premier verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria : Faire sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix en pleurant, et l'Égyptien l'entendit, et la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mes frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Tu imagines, tu tentais à faire mal à quelqu'un. Il arrive à une position où il peut te faire n'importe quelle chose. Alors tu es à sa place. Tu es là devant lui. Mais il peut te faire ce qu'il veut. Il a le pouvoir maintenant de te faire ce qu'il veut. Alors que tu essaies de lui faire quelque chose, cela n'a pas fonctionné. Où Dieu a préservé sa vie. Maintenant tu arrives à un moment où tu es là devant lui. Et il a le pouvoir de te faire ce qu'il peut. Ça, c'est grave. Tu arrives à un moment où tu te trouves devant quelqu'un, tu essaies de faire mal, tu essaies de tout faire pour le déranger. Maintenant, tu es devant lui, et lui, le moment où tu es là devant lui, il a le pouvoir de te faire ce qu'il peut. Wow. Ça, c'est comme un piège. Il a le pouvoir maintenant de faire ce qu'il veut avec ses frères. Parce que si tu regardes ce que Pharaon a dit, et Pharaon, à l'époque, c'était quand même méchant. Mais Joseph, alors si Joseph dit, bon, je vais juste exécuter, et en ce moment-là, dans l'exécutation, il pourrait exécuter. Il a dit, ok, prends tous ses frères, exécute-le. Qu'est-ce qu'on allait dire? On allait dire tout simplement, fais-le. Souvenez-vous, c'est des moments d'exécution parce qu'il vous dit, Pharaon a, le chef des partis, c'est le chef des partis, il a exécuté, il a enlevé sa tête, il pouvait le faire, mais il n'a pas fait cela. Regarde ce que Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Et il a dit encore au verset 4, je l'ai dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre. Waouh! Il n'a pas en lui au point de vengeance ou de rancune. Tu peux regarder cet homme. Waouh! Pour que le Seigneur nous aide à devenir comme cet homme. Quand les gens prennent le Dieu et nous torturent, on arrive à une place où nous pouvons le faire mal. Même des fois à un service, on dit, tu sais que tu m'as fait bonjour. Joseph. Et c'est là que je vous dis, laisse Dieu faire, laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Je vous dis, tu vas devenir comme Joseph, un homme humble, saint, et rien de mal. Tu imagines quelqu'un te fait toutes ces choses, tu arrives à une place où tu peux le faire, mais tu n'as rien fait. Tu dis, Seigneur, c'est un couleur pour Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit à ses frères, approchez-vous ici de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Wow, c'est une parole forte. Vous avez vendu ce frère, il est devant vous. Et c'est vous qui l'avez. C'est vous qui avez fait ça. Et maintenant, ne vous affligez pas. Une parole de consolation.
Il vient maintenant, il regarde vraiment ses frères étaient tourments. Maintenant, il vient pour le consoler. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé de moi. Waouh! Ça, c'est une parole de consolation. Peut-être, avant, ses frères étaient en train de trembler, c'est ce que la Bible dit. Ils étaient tous troublés. Lorsque Joseph a dit, je suis Joseph, votre frère. Il n'a rien dit. Peut-être qu'il était en train de regarder les autres. Aujourd'hui, nous sommes finis. C'est notre état. Il n'a rien dit. Mais Joseph continue à parler. Il a dit, alléluia, c'est pour vous que Dieu m'a envoyé ici. Et lorsque Joseph a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde le verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas pour vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Je ne sais pas si tu peux remarquer ceci. Il m'a établi père de Pharaon. En d'autres termes, Joseph était. Si quelqu'un est ton père, la vie est donnée sur le bois. Je ne sais pas si tu regardes, tu le sais. Dieu a élevé Joseph au point qu'il était même au-dessus de lui qui dirige le pays, le pharaon. Dieu m'a. Oh, j'aime ça. Dieu m'a envoyé devant vous. Ouvert sur le ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père et pharaon, maître de toute la maison et de tout le gouverneur, de tout le pays d'Égypte. Mais qui était le président d'Égypte? Ou le roi? En autre terme, si tu veux définir réellement qui, pour ce moment, qui est le roi en Égypte? Je ne sais pas, moi, c'est que si je suis en train de lire, s'il était le père des pharaons, c'est-à-dire c'est lui qui était le roi en Égypte. Il a dit, c'est le gouverneur de toute la maison et de tout le pays d'Égypte. C'était lui, Joseph. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quand Dieu élève, il élève. Quand Dieu abaisse, il abaisse. Wow! Savez-vous quoi? Il y a un passage qui nous parle de Deutéronome chapitre 15, à part lequel, je lui dis 15, 28, du premier verset jusqu'au verset 15. Il nous parle vraiment quand tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, ce que Dieu peut faire avec toi. Après, on va fouiller. On va juste essayer de te sortir. Maintenant, regarde ce que Joseph a dit maintenant au verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi parle, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de. Encore, regarde ce parole. Seigneur de toute Égypte. Descends vers moi et ne tarde pas. Délivrance. Alléluia. C'est ce que Joseph a dit. Mais peut-être que son père. Quand ils étaient partis, on va voir. On va voir maintenant. Qu'est-ce que son père a dit à le sujet, à ce moment-là? Au verset 27. Il lui rapportait toutes les paroles de Joseph qu'il avait dit. Il vit le char de Joseph avait envoyé pour le transporter. Alors que l'esprit de Jacob, le père, s'est ranima. Wow. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. C'est-à-dire, pour Israël, Joseph, il n'était plus. Mais il a dit, maintenant, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Maintenant, toutes ces choses qui arrivaient avec Joseph, pourquoi?
On va regarder d'abord dans Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. C'est ce que Dieu peut faire avec nous. Mais voici comment faire pour que Dieu agisse en notre faveur de cette façon. Qui met la tête ici? Qui est resté en haut? Toujours en haut. Regardez ce qui est sa propre en haut. Alléluia. Premier verset, dis-moi pas du premier verset. Toi, tu commences là. Regarde ce qui est. Mais qui veut obéir maintenant à la voix de Dieu? Alléluia. C'est là où se trouvent tous les problèmes. Alléluia. Si tu veux monter, il n'y a qu'une seule façon que tu dois faire. Amen. Tu dois juste obéir à la voix de Dieu. La Bible dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que tout le monde dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va servir le Seigneur comme toi. Il n'y a pas d'amen. Amen. Personne ne dit oui. Aïe, aïe, aïe. Bon. Est-ce que tu veux monter ou tu veux rester en haut? Amen. Mais c'est cette façon. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te le regarde. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Wow! Supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que cela peut arriver? Oui, cela peut arriver. Mais comment? En obéissant à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Et c'est ce qu'il fait à Joseph. Savez-vous, quand Joseph arrivait devant la femme de Potiphar, il a dit, oh, 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 je ne vais pas pécher contre mon Dieu et contre vous. C'est-à-dire, tu places premièrement Dieu et après les autres choses. Alléluia. Ouh, on va y arriver. Supériorité sur toute la nation de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu? Ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. C'est-à-dire, vous savez, quand tu marches dans la voie de Dieu, c'est pareil. Il y a un verset biblique qui dit nous marchons avec les miracles. Nous marchons avec le miracle. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le miracle? Est-ce que vous savez que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous marchons avec le miracle? Mm-hmm. Non, c'est pas ça. Amen. C'est biblique. Dans Marc 16, verset 17, la Bible dit Voici le miracle qui nous a. Ça veut dire nous marchons avec le miracle. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui courons vers le miracle. Le miracle, c'est en nous. Amen. C'est avec nous. Amen. Et c'est ça que je dis. Oh. Voici le miracle qui accompagne ceux qui ont. Est-ce qu'il y a des gens qui croient dans nous? Il y a des gens qui croient ici. Amen. Mais ça va être trop faible si vous croyez en nous. Amen. Le méchant ou le démon vient pour contre toi, regarde, tu chasses le démon. Savez-vous, depuis avant que Jésus-Christ dit, nous allons parler de. Oh, cher Mariana. Regarde, il parle de. C'est correct. Wow, c'est clair. C'est Jésus qui a dit que je veux parler de nouvelles langues. Alors, si tu ne crois pas en parler en langue, tu es un problème. Tu parleras des nouvelles là. Ça, c'est ceux qui. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur? Alléluia. Oh. Si vous croyez seulement, c'est ce que Dieu dit. Et c'est sa parole. Revenons d'abord dans notre passage avant. Alléluia. Tu seras béni dans les champs, dans la ville,
Alléluia, tu vas venir ici à la ville de Montréal, je ne sais pas. Et quand tu pars à la campagne, quelque part, au Québec, je ne sais pas. Tu vas encore. N'est-ce pas, mes biens? Alléluia. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit qui est interdit la bénédiction de Dieu sur toi. Oh! Alléluia. Maintenant, il vient d'autres choses. Le fruit de tes entrailles. Il dit, mes enfants. Wow. Le fruit de ton sort. Ce que j'ai travaillé. Wow. Alléluia. Les troupeaux. Je ne sais pas. Ça y est. Les portées de ton corps ou de ton bétail. Toutes ces choses seront bénies. Il n'y a pas une chose de ton côté qui va rester à part. Aujourd'hui, je suis en train de parler des bénédictions de Dieu. Comment tu peux avoir les bénédictions de Dieu? Wow! Obéis seulement à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ouh. Alléluia! Maintenant, ta compère et ta riche ici, ça veut dire enfant. Ah ouais, vous pouvez regarder, c'est enfant riche. C'est les Martiniquais ou les Français, ils connaissent ça bien. Donc il dit, c'est mon riche, ça veut dire un enfant. Ton riche seront bénis. Ah ouais, regardez quoi, le dictionnaire, vous pouvez le voir. Riche, ça veut dire l'enfant. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Écoutez, je viens d'arriver. Oh lui, c'est ça. Amen, toujours la réalité. Oh lui, il vient d'arriver. Au moins, je suis là depuis. Wow! Amen! C'est pourquoi nous venons de lire. De lire, mais c'est combien qui disent à mon sujet? Je m'en fiche ce qu'ils disent à mon sujet. Si je suis venu d'arriver, je ne viens pas ici. Pourquoi? Je viens pour mon Dieu. Et oui, alors le jour où j'arrive, Dieu est là avec moi. Et ma bénédiction, c'est que Dieu. Je l'ai avec moi. Ne dis pas, alléluia, lui il vient d'arriver, oh l'autre. Cela dépend de toi, cela aussi dépend de moi. C'est la relation avec mon Dieu, c'est ce que Dieu peut faire. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ça dit quoi? Sacré, des fois, ça. Ce n'est pas bon, c'est riche, riche. Si puis il faut regarder des choses, enfant. Parce que si, comme n'oublie pas avec les Français. Ouais. Ok. Mais alléluia, parce que j'ai écrit les passes. Avant on avait. Jusqu'à présent. L'église où j'étais à Haïti. On a une communication française ou bien Martinique. La chef, on descend, alors ils ont, quand ils n'ont pas de riches, là on sait c'est l'enfant. C'est pourquoi il est riche. Le point de. Alors, il met la force à tout. Alléluia. Voilà. Dieu peut faire ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Nous ne pouvons pas déranger ce que Dieu peut faire. Des fois, on essaie tout simplement de déranger. Écoutez. Tu déranges, mais moi je vais marcher, je vais servir le Seigneur. Si tu es celui qui veut déranger, dérange. Mais moi je vais tout simplement servir le Seigneur. Et si toi tu fais que déranger, il y a un jour que Dieu va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais simplement obéir. Et c'est ce que la Bible dit, tout ce que ça passe, l'obéissance. Et c'est pourquoi je dis, obéis. Même quand tu... Des fois, vous voulez comprendre avant d'obéir. Ne cherchez pas à comprendre avant d'obéir. La Bible dit, comprendre avant d'obéir. Non. Et c'est ça qui nous mène dans tous les problèmes, ou les morts, ou avec les traditions, ou les religions. Ils veulent comprendre avant croire. Oublie cela, c'est impossible. Avec Dieu, savez-vous quoi? Avec Dieu, il n'y a pas de logique. Tu dis, mais Dieu est logique. Mais logique pour Dieu, c'est la folie pour toi. C'est pourquoi il dit ton logique, hein? Ta logique, ça va être correct avec Dieu. Non!
Là où tu penses, tu vas commencer à dire, mais logiquement, parce que notre langage de philosophie, c'est logiquement parlant. C'est que l'on a dit avec Dieu. Non, avec Dieu, il n'y a pas logiquement parlant pour nous. Parce que ce qui est logique pour nous, c'est la folie pour Dieu. Et ce qui est logique pour Dieu, c'est la folie pour nous. Ouais, mais on va le dire quand même logiquement parlant. C'est ça. Voilà, oui, on va continuer. Mais c'est pas une vie. Oui, et l'Éternel te donnera la victoire sur nous encore une fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des ennemis ici? Vous ne croyez pas que vous avez des ennemis? Je vais vous dire. Oui. Alléluia. La Bible dit, il va te donner la victoire sur tout. Si tes ennemis s'élèvent contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront. Sept chemins, ça c'est tes ennemis. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que Dieu peut faire. Alléluia. Et si tu crois que Dieu peut faire cela, allez, pourquoi ne pas marcher dans sa voie? Allez, l'Éternel ordonnera à la paix. Ça c'est encore une autre chose. Et j'aime cette déclaration. Ce n'est pas que la bénédiction va venir seule. Regardez, c'est l'ordre. Quelqu'un qui dit que c'est l'ordre. Regardez, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Autant de cela. L'Éternel ordonne. C'est-à-dire, les bénédictions n'ont pas le choix de te suivre ou de venir vers toi parce qu'il a reçu l'ordre de la part de. Alléluia. Jésus, obéis seulement à la voix de Dieu. Regarde toutes ces choses. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans ou quelquefois, parfois. Et dans toutes les entreprises, qui aime bien avoir cette pauvre entreprise? Alléluia! Alléluia! Regarde ce que la Bible dit. L'Éternel va ordonner. Écoutez, l'ordre est déjà là. Vous savez, et l'ordre que Dieu a passé à la bénédiction, c'est déjà fait. Mais maintenant, ce que tu dois arranger sur ta relation, c'est ton obéissance maintenant avec Dieu. Est-ce que tu veux faire ce que Dieu t'a dit de faire aujourd'hui? Mais je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Tu peux comprendre aussi. Je vais montrer. C'est vraiment le passage qui a compris. Quand tu parles de la vie de Joseph, tu ne vas pas laisser ce passage. Yeah. Pourquoi? Parce que Joseph, en sortant du puits, on l'amène en Égypte, il était esclave. Regardez là où on l'a placé esclave. Il était comment? Il était contre la tête. Parce que le Potiphar lui a donné la responsabilité combien? De tout! C'est pourquoi j'ai dit ce passage à rapport exactement à ce que j'aime le Seigneur. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il a fait, c'est correct. Il est arrivé à un endroit où l'ennemi pensait qu'il était seulement esclave. Mais là, on a dit esclave. Et l'esclave de. Et l'esclave doit rester l'esclave. Mais lui, il avait. Il peut tout faire. Il a dit même, il a déclaré à la femme de Potiphar. Ton maître, mon maître, il m'a donné le pouvoir sur toutes choses sauf toi. C'est-à-dire, Potiphar ne savait pas, peut-être, s'il veut savoir combien l'argent qu'il a. Enfin, il devrait aller voir. Alléluia. En notre temps, je sais. Il fait ce qu'il veut. Parce que c'est lui. Pour le faire. Et c'est ce que c'est passé à venir. L'Éternel ordonne la bénédiction d'être à Joseph. C'est-à-dire, c'est pourquoi. Et il a sorti de la prison. De la maison, il ne continue pas.
Là, il a trouvé le roi, une accusation. L'ennemi dit, oh, tu penses que tu es correct, tu vas voir. Je vais voir tes rêves. Et c'est ce que exactement le diable est en train de nous faire voir. Je vais voir tes rêves. Il y a des gens qui ont des rêves où Dieu les a donnés. Dieu a déjà dit d'abord, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Écoute, ces gens commencent à peur. Et il dit, ben, là, il voit que ces choses arrivent. Il dit, ben, non, non, ce n'est pas Dieu qui m'a dit, peut-être c'était mon imagination. C'est ce que je pensais. Non, non, c'est Dieu qui t'a donné cela. Mais sauf que tu dois rester dans la voie de Dieu, peu importe où tu te retrouves, peu importe ce qu'ils disent à ton sujet, ne regarde pas ce qu'ils disent. Écoutez, ferme tes yeux et tes oreilles. Maintenant, écoute seulement de la part de ton Dieu et vois et fixe tes yeux sur Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Des fois, tu rentres à l'église, découragé. Pourquoi? Parce que c'est que toute la semaine, j'étais déprimé par l'ennemi. Oh, l'ennemi m'a passé toute la semaine. Je viens à la maison de Dieu. Écoute, la Bible dit, réjouis-toi. Amen. Quand je vais revenir à ce verset où l'ennemi a dit de réjouir, je dois revenir à quoi ce passé. Donc, il est déjà là. Tu peux nous donner maintenant. Michée chapitre 7, verset 8. Tu peux me donner ces fils. Parce que vous rentrez dans la maison de Dieu, au lieu d'être content d'être dans la joie, vous commencez à penser à ce que l'ennemi a fait pendant toute la semaine. Est-ce que je peux adorer le Seigneur là? Parce que je pense que l'ennemi va faire. Oh, ne te réjouis pas à mon sujet. L'ennemi ne fait que réjouir à ton sujet et toi-même tu dis, bah, l'ennemi, tu restes dans un coin. On est... Et les enfants, des fois, qui n'aiment pas l'autre, ils rient. Ceux qui rient, ils disent, tu as un problème. Qui n'aiment pas le... ceux qui rient. Moi, je vais garder le sourire. Mais l'eau, il y a tout. Ma fille, l'autre rit. Regarde, l'ennemi ne fait que réjouir. Et en quoi il se réjouit maintenant? À mon sujet. Alors, pendant que l'ennemi se réjouit, moi, je vais dans les coins. Commencez à comprendre. Qu'est-ce que toi? Regarde l'ennemi qui rit de moi, oui, rit de moi. C'est un peu de fois que tu viens, tu rentres le doigt haut, tu vois deux ou trois, peut-être trois. Il y a des autres qui sont en train de rire quelque part, il y a une autre qui est dans un coin. Et l'autre, quand tu peux, tu dis, ben, il y a un autre qui pleurait même parce que les deux autres rient. Et tu viens, tu dis, ben, qu'est-ce que toi? Regarde les autres, ils rient de moi. Ils rient de toi. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, il rit ça. Seulement il rit de moi. Laisse-le rire. Alléluia. Ne te réjouis pas à mon sujet, à mon ennemi. Car si je suis tombé, c'est là où se trouvent nos problèmes. Alors, il rit pourquoi? Parce que je suis tombé. Mais quand l'ennemi se met à te rire,